Si vous traînez sur Twitter, il y a de fortes chances pour que vous ayez entendu parler d'un film indien ces derniers mois. On l'a vu cité par de nombreux cinéphiles, des podcasteurs et même classé par des critiques parmi les meilleurs films de 2022. Ce film, c'est RRR ou Triple R de S.S. Rajamouli. Et c'est une première en soi. Des films indiens qui font du bruit chez nous, on en a eu quelques-uns, mais aucun de ce profil-là. Généralement, on parle de purs films d'auteur, comme pour The Lunchbox, ou éventuellement de films bollywoodiens plus classiques, comme Devdas. Mais un gros blockbuster d'action, une machine de guerre commerciale qui fait ce bruit-là jusqu'en Occident et qui est unanimement apprécié, même par des gens pas du tout familiers du cinéma indien, ça clairement, c'est du jamais vu. Et puis autant se le dire, l'impact en France a été minime comparé à ce qui se passe dans le reste du monde. Avec un total box-office mondial estimé à 160 millions de dollars, Triple R a été un carton planétaire. Un des plus gros succès de l'histoire du cinéma indien. Et depuis sa sortie sur Netflix aux États-Unis, le culte autour du film ne fait que décupler. C'est le premier film de l'histoire de la plateforme à être resté dans le top 10 des films les plus regardés pendant 14 semaines consécutives. En parallèle de son triomphe sur Netflix, le film est toujours projeté en salle aux États-Unis lors de séances spéciales, 6 mois encore après sa sortie officielle. Et même s'il est dispo partout en streaming, ces séances, qu'on appelle les séances encore avec 3 R, sont systématiquement à guichet fermé. On se retrouve face à un phénomène insensé, qui rappelle par exemple les Midnight Movies, un film dont l'aura culte se développe séance après séance, par le bouche à oreille, faisant des fans une sorte de communauté d'initiés qui sont dévoués à l'œuvre. Même sur les réseaux sociaux, tous les plus grands noms ne cessent de louer le talent de Rajamouli et les immenses qualités du film. Joe Dante, Hideo Kojima, James Gunn et j'en passe. Le New York Times et IndieWire en parlent, Honest Trailers a fait une vidéo dessus, Pitch Meetings aussi, la folie va même jusqu'à Variety qui a publié une vidéo entière expliquant pourquoi Triple R devait être envoyé aux Oscars. Mon but ici n'est pas d'analyser le film en profondeur. Si vous voulez m'entendre en parler longuement, je vous renvoie vers le podcast Discordia, consacré à toute la filmographie de S.S. Rajamouli. Les liens seront en description, j'y ai été invité, et vous m'entendrez clamer tout mon amour pour ce film immense. Ma question est plutôt la suivante, pourquoi ce film? Pourquoi Triple R a un tel succès, là où les blockbusters indiens ont généralement autant de mal à se faire une place dans notre paysage cinématographique? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéscope. Aujourd'hui, on parle méga blockbuster, immense cinéaste et triomphe des cinémas indiens. Tout amateur de cinéma indien vous le dira, les blockbusters absolument fabuleux, on en voit des tonnes depuis des années. Rien que dans la filmographie de S.S. Rajamouli, on peut en citer énormément. Pour moi, le tournant de sa carrière a été Magadira, un film mêlant épique, romance et fantastique, le tout avec une générosité folle malgré un budget extrêmement limité. Il a enchaîné avec Iga, une claque totale qui partait pourtant avec le postulat le plus fou possible et imaginable, un homme réincarné en mouche doit se venger tout en protégeant celle qu'il aime. Mais c'est bien évidemment avec le diptyque Bahubali que le cinéaste achève d'asseoir sa réputation de conteur hors pair. Rajamouli, c'est une vision d'auteur indéniable, avec en même temps un talent fou pour les spectacles impressionnants. Il appartient en somme à la famille très rare de cinéastes capables d'insuffler à leur blockbuster ce supplément d'âme si rare, cette sincérité folle et du coup de transcender ses limites techniques. Ça n'est pas un hasard si Bahubali est encore à ce jour le plus gros succès de l'histoire du box-office national en Inde, même si Triple R n'est pas très loin derrière à la 3ème place. Mais ce qui peut surprendre dans le triomphe de Triple R à l'international, c'est qu'on n'est clairement pas dans un blockbuster occidentalisé. Des films d'action indiens qu'on pourrait facilement vendre au public occidental, il y en a des tonnes. War de Siddhartha Anand par exemple. C'est un cocktail quelque part entre Mission Impossible, Volte-Face et Fast and Furious. Ouais je sais, ça fait beaucoup à encaisser, le tout avec une esthétique moderne bien plus proche de ce que le grand public a l'habitude de voir chez nous. Et franchement, dans le genre blockbuster à l'occidental, c'est très honnête et ultra divertissant. A l'inverse, le cinéma de Rajamouli est indéniablement indien. RRR est un film costumé qui a pour héros un personnage d'une tribu méconnue qui explore la colonisation anglaise et met en scène les Anglais comme des méchants psychopathes cartoonesques.
Et puis, au-delà de ses très nombreuses références historiques à la résistance indienne, le film embrasse également la mythologie de son pays, dans les symboliques qui lient Ram et Bhim, mais également la romance entre Ram et Sita. Ça va jusqu'au dernier tiers halluciné, qui offre non seulement une des scènes d'action les plus folles et frénétiques qu'on ait vues depuis Mad Max Fury Road, mais qui transforme littéralement son héros en divinité hindoue. Sur le papier, s'il y a un seul film qui n'était pas fait pour séduire le public occidental, c'est bien celui-là. Alors pourquoi ce triomphe? Pourquoi maintenant? Tout d'abord, je pense qu'il faut justement regarder en arrière. Pour les fans de longue date, ça n'a rien de surprenant de voir qu'un blockbuster indien soit ultra qualitatif. Ça fait des années et des années qu'on se tue à dire que Bollywood, Tollywood, Kollywood et toutes les autres industries cinématographiques indiennes enchaînent les pépites. Le problème, c'est justement qu'on partait de loin. J'en parlais dès la toute première vidéo de la chaîne, la simple mention de Bollywood suffit à déclencher une série de clichés et de stéréotypes, souvent de la part de personnes qui n'ont jamais vu le moindre film indien. Le fait est qu'après une décennie extrêmement compliquée, dans les années 80, le cinéma indien a perdu de sa superbe. Sa réputation a été détruite à l'international, et non seulement on assimilait toutes les industries indiennes à Bollywood, mais par la même occasion, Bollywood était forcément assimilé à un drame musical larmoyant de 4 heures pour les 40 années à venir. Pour faire une histoire simplifiée, on pourrait dire que le cinéma indien a connu deux décennies d'âge d'or à l'échelle mondiale, des années 40 aux années 60. On peut penser à Mother India, qui était allé jusqu'aux Oscars à l'époque, ou encore La Ville Basse de Chetan Anand, qui a gagné l'ancêtre de la Palme d'Or à Cannes en 1946. Et puis des personnalités comme Guru Dutt, Kay Asif, Raj Kapoor, Dilip Kumar, Satyajit Ray, des noms qu'on cite encore aujourd'hui dans le monde entier au panthéon de l'histoire du cinéma. Mais pour redorer son image après une chute qualitative extrême, le processus a dû être progressif. La toute première étincelle internationale est probablement venue de Dilse en 1998. Réalisé par le fabuleux Mani Ratnam, ce film hautement politique avec la superstar Shah Rukh Khan devient le tout premier film indien de l'histoire à entrer dans le top 10 du box-office anglais. Il fera du King Khan une star planétaire et annoncera progressivement le retour des industries indiennes en Occident. Oui, parce que si Dilse c'est un film bollywoodien officiellement, Mani Ratnam c'est avant tout un réalisateur du cinéma tamoul. Des coups d'éclat allaient suivre à l'aube des années 2000. Devdas de Sanjay Leela Bhansali, passé par le festival de Cannes, Lagan, là encore nominé aux Oscars. Mais malgré la qualité grandissante des productions indiennes, ces événements internationaux vont rester trop rares pendant encore de longues années. Il faudra attendre une nouvelle vague de cinéastes indépendants dans les années 2010 pour redonner une grande crédibilité au cinéma indien chez les cinéphiles. Gangs of Wasseypur en 2012, The Lunchbox en 2013, Courts en 2014, La Saison des Femmes et Massan en 2015, Mard Kodar Neyota en 2018, des films montrés et souvent primés, à Cannes, à Toronto, à Berlin, bref dans les festivals les plus prestigieux au monde. Ok, l'Inde et les cinéphiles occidentaux, c'était reparti. Mais il restait un problème majeur, le grand public n'en avait aucune idée. On parle ici de purs films d'auteur ou de petits films de genre, jamais de blockbuster qui toucherait un public très large. Là encore, il faudra des années de grands blockbusters de qualité pour que la réputation change enfin. On peut à nouveau citer Sanjay Leela Bhansali. On parlait de Devdas, mais que ce soit Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, c'est un cinéaste qui mêle à la fois le cinéma indien traditionnel, fait de danse, de tragédie, tout en misant sur du grand spectacle. Le cinéaste Shankar a également commencé à se faire une belle réputation, tout d'abord grâce au délirant Robot, grâce à sa suite 2.0, et surtout mon préféré de sa filmographie, I, repéré dans pas mal de festivals et chez pas mal d'amateurs de bizarrerie et de cinéma de genre. Alors oui, chez nous, ça paraît être du cinéma un peu indé, mais le plus fou, c'est que c'est du pur blockbuster dans son industrie. On aura alors une déferlante de blockbusters internationaux. Dangal qui écrase le box-office chinois, Tigers in the Rave, Vikram et Pushpa très récemment, les KGF, Andadoun, tous ces films sortis ces dernières années ont brillé sur un ou plusieurs territoires à l'étranger, devenant de vrais ambassadeurs pour des blockbusters indiens à l'international. Et évidemment, SS Rajamouli, qui enchaîne les classiques à un rythme saisissant, a eu un rôle là-dedans. En faisant ses preuves avec 3 fois rien, il a appris à optimiser chaque centime pour qu'il se ressente à l'écran, à mêler effets pratiques et numériques de façon intelligente. En fait, il s'est formé de la façon dont plus personne ne se forme aujourd'hui aux États-Unis. C'est aussi ça qui fait de lui un auteur.
S'il veut aller vers le blockbuster spectaculaire, c'est pas simplement en tant que Yes Man comme les innombrables réalisateurs du MCU. Il ne va pas tourner en studio ce qu'on lui dit de tourner. Il a une vision, une intelligence du cinéma, et il a absolument envie de mettre à l'écran son cinéma à lui. Au final, après plus d'une décennie à se faire la main sur des films de plus en plus ambitieux, c'était LE moment parfait pour lui de briller avec RRR. Globalement, en 10-15 ans, on a découvert un véritable savoir-faire insoupçonné chez les cinéastes indiens pour le gros blockbuster qui est Tash. Un sens du spectacle, de la générosité, de l'ambition, de la passion, et il y a un autre événement crucial, le timing. Parce qu'en parallèle de l'explosion de gros projets en Inde, un vent de fatigue semble souffler à Hollywood. L'usine à rêve tourne à vide. Univers étendu, essoré jusqu'à la dernière goutte de créativité, spin-off, préquel, reboot, on fait face à un cinéma qui ne pense essentiellement qu'en franchise, le tout avec un cynisme décomplexé. On se retrouve avec des abominations de pop culture comme Free Guy, Space Jam 2 ou récemment Thor Love and Thunder. C'est immonde de cynisme, ça n'a aucune inventivité et même techniquement, ça ne tient plus la route. Depuis plusieurs années, on nous annonce que le blockbuster hollywoodien va bien devoir se renouveler, trouver d'autres obsessions que les super-héros et le nostalgia porn, oser la différence. Mais depuis toutes ces années, il faut bien avouer qu'on peine à trouver le moindre signe de renouveau. Et si ça n'était pas l'époque parfaite pour que de nouveaux pays émergent dans le paysage du blockbuster ? La fatigue de trop qui donne enfin une chance à l'échelle mondiale de voir d'autres industries cinématographiques s'imposer. Parce que Triple R, c'est justement l'inverse absolu du blockbuster hollywoodien contemporain. Loin de se réfugier derrière un humour méta pour ne pas risquer le ridicule, Triple R est d'une sincérité désarmante. Le film n'a jamais peur d'être kitsch ou de trop en faire, et c'est ça qui fait sa force. À une époque de blockbuster tiède et malhonnête, il assume ses excès avec une telle générosité qu'on finit par plier. Évidemment que l'écriture dans Triple R n'est pas dans le réalisme ou la finesse. Ça n'est jamais du cinéma de petit malin non plus. Et ce, malgré une culture du twist que Rajamouli cultive depuis très longtemps et qui a atteint son apogée à mes yeux à la fin du tout premier Bahubali. C'est au contraire, à l'image du cinéma de George Miller, une écriture qui travaille l'hyperbole. Chez Rajamouli, tout est excessif. Les sentiments sont exacerbés, les enjeux dramatiques colossaux, une amitié vient à peine de se forger, on a droit à une chanson qui nous montre une sorte de bromance au pouvoir éternel et se questionne tout de même sur la portée potentiellement tragique des événements à suivre. Mais ça n'est pas un manque d'équilibre ou d'intelligence. Ce que vise Rajamouli, c'est d'élever ses films au rang de récits mythologiques. Le grand spectacle épique, ça n'est pas qu'un terme vain et générique quand on parle de son cinéma. Pour être dans la droite lignée des grands mythes, on regarde vers les divinités et on pousse tous les potards à fond. Tout comme Mad Max fonctionne grâce à un chaos excessif fait de cris, de surjeux, de fureurs et d'entités hyperboliques plus que de personnages. Pour continuer sur le cinéma de Miller, dans 3000 ans à t'attendre, on revisite les récits sacrés, les mythes, à la force d'une imagination débridée qui ne se refuse rien, pas même le mauvais goût. Rajamouli non plus n'a jamais peur du ridicule, car c'est par l'excès de narration et d'enjeux que sa maîtrise technique trouve un sens. Alors quand il décide de parler d'amitié, ça n'est pas pour faire un buddy movie classique, c'est pour parler d'un sentiment extrême qui sera confronté à un dilemme déchirant, remettant en cause les convictions de toute une vie, l'héritage familial, une vengeance qui prime même sur l'amour, et tout cela conduit à un dilemme avec comme enjeu la mort. Dans un de ses premiers films, nommé Chhatrapati, Rajamouli évoquait, dans une relation mère-fils, tous les extrêmes possibles. D'un côté un amour maternel sacrificiel ultime et la dévotion du fils là encore qui dépasse le rapport humain. Il est mythologique, transcendant, c'est un lien si fort qu'il va même littéralement ressusciter le héros. Idem une fois encore avec Bahubali, l'héritage, la filiation, la quête de justice, tous ces éléments sont déconnectés de la moindre touche réelle pour atteindre un symbolisme absolu. Chez Rajamouli, la narration est métaphorique, elle est hyperbolique. Et ça encore une fois, combien de cinéastes du grandiose, de la démesure, ont réellement compris à quel point ne pas trop ancrer leur récit dans le réel décuple la grandeur mythologique du spectacle.
À l'ère du MCU, qui enchaîne 15 blagues à la minute par refus de traiter un dieu nordique sérieusement, voir un cinéaste qui traite des humains comme des divinités, tout en réécrivant l'histoire de grandes figures historiques de la Résistance dans une joyeuse orgie de pop culture, c'est absolument jouissif. Le film semble n'avoir qu'un seul défi, être plus taré et spectaculaire à chaque séquence. Rien que la scène à l'intervalle avec tous les animaux suffirait à enterrer 90% des blockbusters contemporains. Et franchement, cette scène, c'est rien du tout comparé au climax dans une forêt en feu avec un héros qui se débarrasse de tout un régiment de l'armée anglaise juste avec un arc. Rien que les deux séquences d'introduction de nos héros servent de leçon de cinéma spectaculaire. On nous en met plein les yeux, c'est d'une intensité furieuse et ça n'est pas gratuit. Ces séquences sont cruciales d'un point de vue scénaristique, elles caractérisent parfaitement nos deux héros. Parce que Rajamouli, c'est ça aussi, un spectacle qui ne tourne jamais à vide. Une écriture peut-être excessive, mais qui n'oublie pas d'avoir du sens, d'être intelligente et d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Et puis, il y a un autre point. Triple R rappelle à beaucoup ce qu'il considère être l'âge d'or du blockbuster hollywoodien. Une bromance comme on n'en fait plus, des héros musclés capables de renverser tout un régiment, on penserait presque revoir les blockbusters réganiens avec une différence majeure. Si Triple R est ouvertement politique, on est bien plus sur quelque chose de radicalement vénère et anti-impérialiste que sur la défense du conservatisme. D'autant que Rajamouli ne se contente pas de casser du colon anglais. Il continue une thématique qui guide toute sa filmographie, le rêve d'une Inde unie, qui dépasse les barrières de région et de dialecte. Et ça, à l'époque actuelle et sous le régime de Narendra Modi, c'est tout sauf évident de l'assumer dans un blockbuster indien. Bref, au risque de ne rien ajouter de passionnant à tout ce qui a été dit sur cet immense blockbuster, voyez Triple R. Et voyez des blockbusters indiens. Pour le peu que vous soyez un peu curieux, vous y découvrirez des cinémas d'une richesse et d'une générosité insoupçonnées. Une folie créative comme on n'en avait pas vu depuis les merveilles du cinéma hongkongais. Alors, l'avenir du blockbuster viendra-t-il du continent asiatique? J'ai envie de croire que oui. Pour notre bien à tous, et pour le bien du cinéma. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de la commenter. Je vous dis à très bientôt.